bien, nous sommes de retour et je vous dis bonjour à tous et à toutes ces Moti 955 et on est de retour effectivement sur en lutte team contre team et avec moi j'ai Crane Overdose, comment vas-tu? Salut tout le monde, ça va et toi? Bah écoute, ça va super bien. On a Ghost Team qui est assez spécial, il est pas avec nous sur Skype mais il est avec Crane Overdose. Enfin façon de dire, hein, on va dire, il est au téléphone avec toi, on a mis le gros son le plus puissant que tu puisses avoir, donc bon, on va peut-être pas trop l'entendre, mais quand même bonjour à toi Ghost si tu m'entends. Bonjour, ça va très bien. Bon, eh ben franchement, je t'entends nickel, bon ça devrait le faire, ça devrait passer. Et puis on a Killer des Enfers qui n'a pas Skype parce qu'il a un petit problème, mais bon, ça devrait se résoudre pour la prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas. Et aujourd'hui, on fait face à face contre la team Psycho, si vous vous rappeliez, on les avait battus la première fois. Et ben maintenant, ils reviennent, ils ont changé énormément de team, ça revient, ça repart, enfin bref. Aujourd'hui, c'est reparti pour cette lutte et je pense qu'on va pouvoir commencer. Est-ce que vous êtes chaud, les gars? C'est parti, je crois. Ouais, allez. Let's go alors. C'est parti. Cette fois-ci, les gars, on essaye de la gagner. Alors, la dernière fois, je crois que j'étais avec l'Italien. Je crois que j'étais avec Killer. Je suis pas sûr à 100%. Ouais, je crois que j'étais avec Killer. Et vous l'avez perdu ou gagné? On l'avait gagné justement. Donc, si on la gagne, il n'y a pas de belle. Si par contre on la perd, il y a une belle. Voilà. Donc, bon, bah écoutez, je vous dis bonne chance, les gars. Hein. Bah ouais. Ouais, bonne chance. Alors, l'Italien n'est pas avec nous. Il faut savoir qu'il a toujours pas récupéré sa PS3. Il devrait la récupérer très, très, très bientôt. Enfin, une nouvelle PS3, forcément. Parce que actuellement sa PS3 est morte et son père devrait lui en racheter une bientôt, normalement à la fin des cours, donc ça sera vers le fin juin normalement, début juillet je suppose. Enfin, l'Italien, si tu m'écoutes, si tu écoutes cette vidéo, tu me confirmeras ça dans les commentaires si tu veux. Et l'Italien est vraiment nul aux zombies. Hein, crois-moi que c'est l'un de nos meilleurs membres de la team en lutte. C'est pour ça qu'il est souvent avec moi. Enfin, d'ailleurs, le duo Ghost Team et toi-même, Crane, vous êtes les meilleurs. Je veux pas dire. Mais... quand vous êtes ensemble, je m'en rappelle, on a fait une partie tous les trois avec un autre. Vous vous rappeliez sur B1 bon, ouais. D'ailleurs, je l'ai plus en ami, c'est dommage. On avait fait le secret sur BO1, je sais plus comment ça s'appelle, Call of the Dead. Ah oui. Et on avait découvert les bugs et tout, sur les marches et tout. Ça. On avait duré je sais plus combien de manches, je m'en rappelle plus. On en avait... Waouh, c'est pareil, c'est une map bizarre. Ouais, t'en as ouf. Ils sont déchaînés, les gars, ils me cut leur tour. Alors oui, comme vous pouvez le savoir, Kane Street est toujours dans leur team et Michaelo en faisait partie avant mais n'en fait plus partie, donc il est dans leur team aussi. Et il y a aussi Psygo qui est maintenant, il s'appelle, je ne sais plus, il s'appelle Tigresse Gotax, donc bon. Ouais. Par contre, Optique et Kane Street sont toujours dans la nôtre, mais bon, on voulait se faire la revanche et puis pas vous laisser sans lutte comme ça. Que voilà. Et la fois prochaine, ça sera sûrement contre une autre team. Donc voilà. D'ailleurs, il faudrait que je les prévienne parce que si je les préviens pas, à mon avis, c'est mort. C'est vrai que de réunir deux personnes de chaque côté, quatre personnes de chaque côté, c'est un peu dur. En tout cas, ça fait plaisir de faire une petite vidéo avec toi, Ghost Team. Ça fait super longtemps que je voulais faire une vidéo avec toi, mais bon. Vu que t'as pas Skype, ça restait assez difficile, mais bon. Ouais. Bah dis-moi, Ghost, t'es aussi fort que t'étais dans le BO1 aux zombies? Non. D'accord. Maintenant, je suis nul maintenant. J'ai eu moins.
Ah bah voilà. Bon, il est où le dernier là? Il est là. Putain. Nickel les gars. Bon, notre équipe s'en tire pas mal. Hein. On a tous 1000. Donc il y a plus de 1000 en tout cas. Les autres, si on regarde leur score, il y en a un à 800, un à 700, deux à 700. Ouais, bon. Il n'y a que Mikaelo qui a 1600. Bon, ça va. Moi, je leur vole les frags. Oh, ça commence. C'est qui est mort? C'est eux. Ah non, c'est un ennemi, allez, on bloque. Il faut qu'il meure. Ils revivent à chaque manche, non? Ou je sais pas quoi. Ah, ils ont compris le principe. Et il faut s'allonger pour nous réanimer, en fait. Sinon, c'est mort. Ils arrivent à nous cutter. Alors, je sais pas qui c'était qui est mort, là. Celui qui est mort, c'est Mikaelo. Mikaelo? D'accord. Ouais. Munition. Oh, bien joué. Bien joué. Je sais pas qui l'a pris, mais bien joué. Ouais. Ah, il y en a un autre qui est mort. Tant mieux, laisse-le crever. Et on réapparaît à chaque manche ou pas? Moi, j'y joue jamais en ce mode. Hein. Hop. Non, en fait, tout dépend si ton équipe, tout simplement, ton équipe résiste jusqu'à la fin et que toi t'es mort, par exemple, tu vas réapparaître à la fin de la partie. Par contre, si toute l'équipe est morte, bah là, t'es plutôt mal et on est tous mal et on perd la partie, en fait. Ouais. Donc ça peut durer des temps et des années, mais voilà. mais bon, plus que ça va, plus qu'on avance dans les parties, donc... Et c'est vrai que si on arrive à une grosse, grosse manche et que toutes les équipes meurent, bah on, en fait, on, à chaque fois, on... Mais pour ça, tu vois, par exemple, si notre équipe est exterminée et que l'autre équipe n'arrive pas à survivre jusqu'au bout de la manche, et ben bah, ça repart à zéro, il faut qu'une équipe finisse la manche et qu'il gagne la manche. Ouais, ouais, ça je sais. Okay. Ah, ils ont ouvert la boîte. Dès que l'autre équipe, elle meurt, nous, après, on peut suicider, comme ça, on a gagné. Non, il faut pas suicider, il faut finir vraiment la manche pour arriver à gagner la manche, enfin, la partie. Ok. Les gars, j'achète une arme. La boîte a été ouverte, je sais pas par qui, mais ça a été ouvert. Moi, j'achète pas tout de suite parce que vous allez vous rendre compte qu'après, on va avoir un souci d'argent assez vite. Et moi, j'ai pris la. Non, mais moi, j'en achète qu'une d'arme. La M14 et je suis tranquille avec. Et pour le soutien, je l'achète. Ah, Masto, ça a été ouvert. Ouais, ouais. Masto, ouais, c'est la priorité que je vais aller à, par contre. Ouais, je suis un peu enrhumé, les amis, donc si vous m'entendez tousser ou renifler, parce que j'aime bien renifler, ça... Non! Oh là là. Quoi, ça? Ça, c'est le feu, là. Merci. Merci, les enfers. C'est bizarre, j'avais vu... deux gars de notre team se faire. Non, y'a que moi qui est mort. Hein. Bien joué, les gars, ça c'est bien joué. Pour l'instant, on récupère les munitions, ça c'est bien joué, les gars. Par contre. Ah oui, quand on récupère les munitions, elles sont que pour nous, pas voilà, pour nous. Que ça soit l'un ou l'autre, par exemple, des munitions ou la tête de mort, c'est que pour nous ou que pour eux, tu vois. Mais c'est ok, bah, c'est bien, c'est merde, on recharge pas, on prend direct. Voilà. Ah ok, je savais même pas. Ah d'accord. C'est pour ça qu'il faut se dépêcher. Même si c'est eux qui font le kill, il faut y aller direct. Oh là là, je suis en rouge. Je me suis pris une claque et un petit peu de zombie dans la figure. Bah, c'est tout à l'heure, on se prend tous les bonus alors pratiquement. Ouais, pour l'instant, ouais. On a l'air de gérer de ce côté-là. Oh,
bien joué, tête de mort, les gars. Nous, on est le CDC, les gars. Quand il y a écrit CIA, n'y allez pas. Moi, je sais pas. Ça va plus vite que de faire Select. Putain, je me les oreilles. Ouais, CIA, c'est... Hey, réanime pas. Faut aller voir. Oh, bah merde. Voilà, ça c'est fait. Allez, plus qu'un petit tir sur un petit zombie, ça me ferait plaisir. Mais ferme une fenêtre. Voilà. C'est bon. J'allais me prendre masso maintenant. Oh, une petite claque là. Voilà. Allez, ça devrait être bientôt la fin. Je vais aller me chercher un petit masto. Putain, j'ai pas assez. Voilà. J'ai 500 points en plus. Ça devrait être bon. Bon. Le feu, ça brûle quand même. Hein. Je vais pas dire, mais... Allez, Beefsteak, jette-le sur moi. Voilà. Ça fait quoi ? C'est les zombies, ça attire les zombies. Ah bon ? Ouais, comme ça, les zombies vont venir tous vers nous. Ah, le jambon, là ? Ouais. Je connaissais pas. Et par exemple, pourquoi ce serait pas bien de le jeter sur l'ennemi quand il y en a un qui crève ou je sais pas quoi, comme ça, ils ont du mal à réanimer ? Ouais, exactement. Mais bon, pour l'instant, on est dans la bombe. Branches. Donc ça va. Oh, nickel. Nickel. Pas géré. Ouais, parce que si t'as tous les zombies qui viennent sur le mec mort, justement, ils pourront pas le réanimer. Ouais, ouais, exact. Ça, c'est un bon plan aussi, ça. À prévoir. Ah, mais faut l'avoir, le bout de jambon aussi. Ouais, au bon moment. Ou alors, il y en a un qui garde le steak dans les mains. Il peut le garder dans les mains, mais il tue personne. Mais bon. Deux, les gars. Ouais, c'est ce que je pensais. Et puis, dès qu'il y en a un qui crève, hop, tu le jettes dessus, comme ça, les deux, tu peux pas le réanimer. Ouais. Tu laisses crever. Ah, j'ai le jambon. Putain, je l'ai raté. Et bah, ils l'ont jeté un peu n'importe où, mais c'est pas grave. Ouais. Je vais peut-être aller me prendre une autre arme. Je commence à avoir la thune suffisamment. Merde, je tirais sur un. Voilà. Ah putain, la boîte elle est pas là. Je redescends. Ah, elle est vers le marathon là-bas. J'ai pas fait gaffe en même temps. Allez. J'ai plus d'armes dans la M14. Vas-y, j'ai 0 balles dans les deux armes. Oh là 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 là, le sniper. C'est reparti pour un coup de sniper. C'est pas grave. Faut qu'on récupère des munitions, les gars. T'aimes bien le sniper ? Non. Je déteste le sniper. C'est lequel ? C'est le Barrett ou le DSR-50 ? C'est le DSR-50. Eh ben, gardez-le, il est excellent amélioré. Il n'y a rien de mieux. D'accord. Que, il est amélioré à partir de la manche-masse. Tu sais, même dans la manche-masse, tu peux faire des chaînes de 3 zombies en une balle. Ah ouais. Et ça enlève la mire, ça fait comme si t'avais un MK14 quand même. Ça enlève la mire aussi, t'as plus de... c'est comme un fusil d'assaut quoi. Ah ouais, d'accord, ok. Ah bah ça peut être intéressant. La mire uniquement, après ça perd pas comme un fusil d'assaut, c'est toujours un sniper. Mais bon, mais c'est excellent après. Bon, j'ai 950 piles, on va s'acheter un truc.
Allez. Grenade IEM. Par contre, il faut l'améliorer deux fois, hein. Tu sais, Motive, pour avoir le plus. Oh, non de... Oh là là. Putain, j'ai gratté les munitions. Chier. Ah. Ah non, c'est, il est contre nous. Grenade IEM, elle sert à bloquer les... Ouais, il faut éviter de les lancer par exemple sur le masto. C'est grenade IEM, si vous les lancez sur le masto, bah ça nous enlève le masto. Enfin, ouais, tout le monde. Je sais. Ok. Bon, pour l'instant, ça se passe pas grand chose. Ouais. Non, mais là, on va arriver vers les manches. C'est qui a pris la bombe? Ah, ça doit être eux. C'est obligé. Ouais, c'est eux. Bon. Les gars, vous êtes à 70 kills, je suis à peine à 20. Du moins, j'ai des armes de PD. C'est Killer qui est arrivé à 70 kills. Ouais. Killer, il se fait plaisir, comme d'hab. Voilà, flash cop, les amis. Oh, pleine tête dans les... La chicom a amélioré aussi, qui est pas mal. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de balles, c'est ça qui est petit regret quand même. Ouais, mais faut que tu l'améliores encore, tu l'as amélioré, et là tu l'as amélioré ton sniper. Non, le sniper, je l'ai pas encore amélioré, j'attends un petit peu, de toute façon, j'ai pas les points de. Ah. Putain, faut des munitions là, je peux pas killer. Ouais, donc faut que tu l'améliores deux fois, et parfois même, tu peux faut l'améliorer trois fois parce que tu peux l'avoir en version silencieuse aussi, mais avec ta lunette. D'accord. Ah oui. On va voir quelqu'un qui joue pas souvent, enfin, comme tu me disais, t'y connais bien quand même. Bah, c'est oui, parce que je fais un peu de zombie quand même. Ouais. J'aime bien. Ah merde, la boîte est pas là. Jamais, oh. Ouais. Merde. J'aime pas ces couteaux. Le couteau de BO2, c'est la merde. Oh là là. J'ai 60 zombies derrière moi. Non. Vas-y, bute les moitiés. Ah putain, je recharge. Ah, j'ai pas d'armes. Ok, à côté. Oh. Oh, beefsteak. Bien joué. Tiens, mais c'est de la merde ce couteau là! Ok, ça c'est bon. Ouais, bah dis casse les couilles. Oh, à côté! Ok. Bon. Niveau suivant, je veux pas dire les amis. Ah, j'ai fait 2 kills dans la manche. Alors, Killer, franchement, il se plaît là. Il est déjà plus qu'un point et plus qu'un kill et il a 100 kills déjà. De toute façon, c'est si toi, si t'as les bonnes armes ou tu les as pas. Hein. Ouais, c'est clair. Après, tout dépend de ça. Tu vois, j'ai cuté 60 fois la fenêtre, j'avais pas touché hein, avec le couteau. Ah ouais. C'est hier. C'est pas le nôtre. Ouais, ils l'ont réanimé aussitôt. Et là, j'ai crevé et je crève, je pète un plomb. Et voilà! Mais putain! Il l'avait dit!
Il crève, il pète un plomb. Ah mais ça sert à rien, j'ai pas de balles, j'ai pas de vie là, ça me casse les couilles. Casse les couilles ce jeu là. Comme par hasard, je tombe sur des armes de PD à chaque fois. Ça sert à rien, j'ai pas d'armes là, casse les couilles là. Oh, oh, oh Ghost Team, tu reviens de loin. Oh là là. Ouais, magnifique. Oh là là. Ouais, j'ai toujours pas de balle. Allez, un petit zombie là. Non, toujours pas. Ouais, t'as vu, même pas amélioré, tu es pas mal le snipe. Ouais, ouais. Ah, j'avoue. Non, il tue bien, il tue bien. C'est le barrette qui est de la merde. Parce qu'il y a les deux, il y a le barrette et les 50, même s'ils se ressemblent, c'est pas du tout pareil. Allez, c'est bon, j'ai plus d'armes, là, ça sert à rien que je joue, ça me bande. Oh là là. Allez. Y'a jamais de munitions quand même. Tais-toi. En ce moment, y a... Putain, c'est couillé là. Ouais, munitions. Oh oui, bien joué. Je sais pas qui l'a récupéré, mais. Oh. Hop là, la petite tête qui va bien avec. Allez, c'est parti. Allez, il nous faut encore du zombie là. Pour faire plus de points, enfin pour moi déjà. Et le crâne qui sert à rien. Et ouais. Allez. Excusez-moi. Crâne, est-ce que tu peux me défendre? Ouais. Je dois avoir un petit souci chez moi, bougez pas, je reviens. Et où? Je suis derrière Crâne. Bougez pas, je reviens. Venez nous aider les gars, j'ai des armes de juif. Reste là. Okay. J'ai une arme de PD là. Tu tires une balle, ça t'envie de 12. Oui, désolé, c'était moi les gars. C'est bon. Hop. Ah, je suis bientôt mort. Là, je vais mourir par une flamme, là, je pense. Oh là là là, j'ai failli mourir aussi. Oh là là, je suis en sang. Il y a une bombe! Oh putain! Allez. Hop, x2 en même temps. C'est qui a créé l'arme? Putain, vous auriez dû le dire, j'aurais balancé une UM dessus, il aurait pas eu son arme. Non. Et je pense que tu l'as pas, vu que c'est électrique. Ah ouais, c'est vrai, c'est Allez, allez. Ta mère, les putes, là. Casse les couilles, ce jeu, hein. Ah, y'a quelqu'un qui a... Le beefsteak. Ah, je te l'ai lancé sur toi, Ghost. Ouais, bah je vois ça. Ah,
Ouais, j'ai toujours pas de munitions dans la... Ah, je suis comme... Cours! Cours! Le feu m'agresse quand même. Je peux pas dire, mais il m'agresse. Il m'agresse. Allez, allez. Allez, ça c'est fait. Allez, allez. Tu m'as dit. Allez, il faut que j'améliore le dessert. Ouais. La première fois c'est moyen et la deuxième fois, bah, si t'as pas la mire, c'est super. D'accord. Pour améliorer. Ok. Merci du renseignement. Donc soit tu auras le silencieux avec la lunette, auquel cas il faudra encore améliorer à 2000 et là tu auras la mire. Ou soit tu l'as sans la mire. 2000? Mais 2000... en fait... Ah là là. Fou. Ça, c'est qui a fait demi-tour avec les zombies? Tu veux dire plutôt. Parce qu'en fait, c'est 5000 pour améliorer. Désolé. Franchement, je sais pas ce que je fabrique à chaque fois avec Skype, mais à chaque fois, il y a que moi que ça arrive des problèmes de son. Donc je m'excuse encore une fois de plus, mais enfin. C'est pas franchement de ma faute cette fois-ci, mais Crane, on va dire, a eu un petit souci de connexion et a dû malheureusement, enfin, il a été forcé même, on va dire, de quitter la partie et Skype en même temps, vu que c'est sa connexion qui a eu un problème et du coup, ça a fait quitter tout en même temps. Donc, mais vous inquiétez pas, la partie continue, sauf qu'il n'y aura pas la suite des commentaires. En tout cas, voilà. Je m'excuse encore une fois de plus pour le son. Et juste histoire de parler vite fait, de pas vous laisser trop comme ça. Je voulais juste remercier quand même, parce que je veux quand même faire la petite présentation de la fin. Et je voudrais quand même remercier Ghost Team qui a participé entièrement à la vidéo, qui a été quand même entièrement dans la vidéo. Et franchement, je le remercie d'avoir participé. Et franchement, c'est un très bon joueur. Je le remercie aussi quand même pour ça. Je remercie quand même Crane d'avoir participé, malgré qu'il n'a pas pu finir. Et dont aussi Killer des Enfers, que vous allez voir juste à la fin, enfin, qui a participé, mais vous allez voir juste à la fin, franchement. Je vous dis pas plus sur le match, mais je remercie énormément à Killer. Et voilà, je pense que... on a fait une très très bonne partie, j'espère que ça va vous plaire. Voilà, je pense que j'aurais tout dit. J'ai tout dit, enfin c'était juste histoire de vous dire que j'ai eu un petit souci sur Skype avec Crane, donc mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, ça sera mieux pour la prochaine fois. Et puis je vous dis à la prochaine fois. N'oubliez pas de mettre un j'aime si vous aimez bien et de vous abonner si vous n'y êtes pas. Tout simplement. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine fois et je vous dis ciao ciao ciao, à la prochaine, et regardez la fin de la vidéo pour voir qui va gagner des deux teams. Ciao.
Il n'en reste plus qu'un, pas de quartier.